Salut à tous. Franchement, heureusement qu'elle a le live. Parce que j'étais en train de m'énerver là. Enfin, je m'énervais tout seul. Vous savez, le, le, le... alors pour ceux qui suivent là sur Twitter, chacun a quelques-uns. Il y a Ataxia qui a balancé un truc sur, euh, sur l'école et euh, à quel point ils sont euh, décorrélés de la réalité, etc. Et puis je commence à m'énerver tout seul. Donc c'est bien, bien que ça commence, parce que j'étais en train d'écrire des tweets un peu violents. Voilà. Ça fait plaisir de vous voir. Vous, vous, vous me calmez un peu. C'est ça qui est bien. Euh, alors on a, on, a, on a les habitués. Oh, salut René, merci, merci. Son image parfait, c'est cool. Ouais, bah, c'est cool euh, de me dire quand... Euh, comme ça au début, euh, si, si tout est bien, comme ça, ça, comme ça je suis relax. Euh, salut René, salut Yoda, salut Olive, salut Dr Neverware, MJ Ray, Astromo, Fiat Minimis, Sofiane, le retour de Sofiane, c'est cool. eh, tu tombes bien Sofiane, tu, eh, tu, normalement tu vas, tu vas aimer aujourd'hui. Hardware, eh, Hardware Address, tu t'endors pas euh, aujourd'hui. Hein. Si, si tu, si, si, y a, si, y a des trucs qui passent pas, tu me le dis. Hein. Euh, attends John qui me demande tu veux que je reprenne la gestion des questions oui s'il te plaît parce que euh, bah justement la dernière, la dernière fois la mardi euh, bah du coup j'étais euh, j'étais un peu tout seul et, euh, et j'ai laissé passer des questions et notamment euh, Ardo Ardras qui disait bah ouais, moi je suis un peu j'aimerais bien qu'on qu rentre un petit peu plus euh, dans le vif du sujet sur le C et du coup euh, et du coup bah, je l'ai pas vu et, euh, et on est passé un peu vite. Et euh, ben moi, enfin comme vous savez, hein, j'aime pas quand on laisse les gens sur le bord de la route. Alors, euh, on, va, alors on va pas reprendre hein, tout ce qu'on a fait mardi parce qu'il y a quand même pas mal, de, pas mal de choses. Et puis, euh, il y avait tellement de choses qu'on n'a pas eu le temps de faire ce qu'on avait prévu de faire comme d'habitude. Euh, néanmoins, on va, on va revoir un petit peu euh, euh, les petites notions qu'on qu qu a abordées mardi. Vous allez voir, ça fait pas mal. Euh, Léa, je me demandais. J'ai eu peur là. Parce qu'un euh, live sans Léa. Euh, bon. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Merci John euh, pour euh, le lien. Je viens de l'ouvrir. C'est cool. Euh, oui, alors oui, effectivement. Alors, c'est ça, que je voulais vous dire. Il y a... Euh, alors, attends. à, à tout seigneur, tout honneur. Qui c'est qui l'a... Merde, j'ai pu. Plus... Euh, en fait il y a quelqu'un avant sofiane qui, qui m'a dit ce que c'était que argv. et effectivement c'est argument de vector et euh, je pense que c'était Xavier mais je j'en suis pas tout à fait sûr c'est la personne avec qui on avait argumenté un peu sur euh, sur le backslash 0 euh, donc Sofiane dit argument de vector et non argument de value oui exactement c'est un un vecteur c'est un arrêt en fait oui absolument absolument euh, donc voilà, donc effectivement, Arc V, c'est un vecteur. Ah ouais, tiens, je... J'aurais je... hey pas ma montre. <laughs> Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de jouer avec pendant, pendant le live. Euh, mais voilà, donc 3, 3 points de superglue 3 et, euh, et, et, et c'est réglé. Voilà, exactement, vive la superglue. Euh, donc voilà, il y a ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Ouais, en ce moment, putain, je, je sais pas, je, je fais une petite, euh, une petite obsession... En fait, j'avais acheté, euh, non, plutôt, j'avais commandé pour mon anniversaire il y, a, il y a un an ou deux, un Raspberry Pi. Et euh, à la base, vous me dites hein, si c'est chiant les, les petites intros là où, où je raconte ma life. Hein. Euh, à la base, euh, je voulais. En fait, je n'étais pas certain de ce que je voulais sur, cette, euh, sur ce Raspberry. Je voulais mettre des caméras, puis à un moment donné, je voulais en faire un, un routeur, machin. puis... J'ai eu plein d'idées. Et, euh, et ça fait très longtemps très 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 longtemps que j'ai une, euh, une petite frustration de pas avoir utilisé l'amiga bon, pour les plus anciens d'entre vous, vous savez euh, l'amiga c'était euh, euh, un, un ordinateur personnel des années 80-90 euh, on a tous nos projets foireux avec les RPI euh, doomer bah ouais euh, et en fait moi à l'époque l'amiga donc c'est quand même la première machine enfin une des premières machines désolé j'ai touché le micro euh, avec lesquels j'ai fait du code un peu sérieux. Euh, mais, en fait, j'ai commencé à vraiment tripoter le code euh, au moment où j'ai basculé sur X86. Puis là, après, c'était la merde parce que X86, donc bon, euh, des X400, euh, j'ai vendu mon Amiga, et oui, on t'a moins, là, tout ça, euh, maudit sur 50 générations, euh, pour acheter un... 486DX400 qui était, qui était la, la bête des bêtes à part le Pentium, mais qui était inaccessible en termes de prix. Euh, et euh, en l'occurrence, euh, ben, j'ai acheté avec la vente, l'argent de la vente de l'Amiga, je ne me rappelle plus combien je l'ai vendu, euh, j'ai acheté un, un 486DX400. Et euh, j'ai donc, jeté moi la pierre, hein, j'ai vécu pendant quelques mois euh, sous Windows. Je... Je savais pas trop ce qu'il faisait d'autre. Euh, ce qui m'a servi à faire des trucs, hein, parce qu'à l'époque c'était Windows 3.1, euh, donc DOS, mode réel, tout ça, donc j'ai commencé à comprendre des, des petits trucs. Ah bah oui. Eh hey, les mecs, je vous parle de ça, il y a... Euh... Enfin, les mecs et les filles d'ailleurs. Euh, je vous parle de ça, on est en 90... 94-95. Hein. Euh... Et donc c'était Windows 3.1. Euh, et je découvrais parce que en fait donc, pour ceux qui ne savent pas Windows 3 en fait il fallait démarrer sous DOS et puis DOS euh, fallait je ne me rappelle plus comment tu, tu, tu lançais Windows je crois que c'était Win quelque chose mais n'empêche c'est grâce à grâce à ce passage là que j'ai compris le mode réel l'adressage euh, euh, par segment et tout j'avais commencé à regarder un petit peu ces trucs là oui Win win32.exe exactement et euh, jusqu'au jour jusqu'au jour où euh, j'ai lu un article qui montrait une interface avec AfterStep. Et là j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc des années 3000 quoi Avec des fenêtres dans tous les sens. Enfin je vous rappelle hein, Windows 3 c'était quand même une énorme merde. Hein. Euh, comme Windows 95 en fait. J'ai fait peut-être quelques semaines sous Windows 95. Et, euh, et là, parce que moi j'étais assez fan à l'époque, euh, c'était le moment où, euh, où Next, les, 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 les box Next étaient vraiment très très en vogue chez, chez les geeks, euh, et bah forcément c'était hors de prix, parce que c'était les macs de l'époque, pour hein. euh, bon, ceux qui ne savent pas, OS X c'est un, un dérivé de, de, de Next, de Next Step, et, et donc bah voilà, je vois After Step, je suis oh putain de sa mère, il y a des fenêtres dans tous les sens, des trucs, c'est wow, le truc incroyable quoi. Et là, bah, c'était le, le début de la fin. C'était le début de disquettes, machin. Donc, euh, c je pense que c'était une SLS à l'époque. Euh, avec un kernel 0.99, je sais pas quoi. Donc c'est là où j'ai commencé à, faire, à jouer. Et puis là, après, c'était foutu. Après, j'étais euh, foutu. Mais donc, tout ça pour dire que euh, cette époque-là de transition, euh, j'étais un petit peu. Enfin, aujourd'hui, je suis un petit peu frustré de ne pas avoir été plus loin avec l'Amiga. Parce que euh, bah, finalement, il y avait. À l'époque, je voyais des trucs point C. Alors, j'avais commencé un petit peu à regarder le C. C'était compliqué quand même et tout. Euh, et puis, je voyais des fa Je voyais des fichiers Copying qui parlaient de GNU. Chelou. Et en fait, bah, j'ai raté tout ça. À cette époque-là, en tout cas, j'ai raté tout ça. Donc, euh, euh, bah, j'ai vu passer des, euh, des distributions. Je ne sais pas si on peut appeler ça distribution. mais En tout cas, des versions de... de D'émulateurs, moi bon, à l'époque j'avais essayé UAE, euh, Unix Amiga Emulator, qui est l'ancestral, hein, qui, qui est le vrai émulateur euh, euh, duquel euh, sont issus tous les trucs euh, modernes, hein, FSUAE, etc. Et, euh, mais ça marche pas très bien et tout, puis ça m'avait un peu saoulé. Et là, bah, sur euh, Raspberry Pi 4, euh, ça, ça marche sur 3 aussi, il y a un truc qui s'appelle, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui s'appelle euh, AmiBerry, qui est donc un émulateur. Euh, de, alors 68 000, 68 000, 20, 30, 40. Qui sait parfaitement faire tourner AmigaOS. Et alors là, je vous le dis, je nique des heures. Et je sais pas trop pourquoi ni comment. Euh, mais c'est... Enfin, je sais pas. Ça, ça me fait absolument triper. Euh, je réinstalle des trucs que j'ai installés il y a bah, très longtemps, quoi. Euh, 80. 94 quoi. 80... Ouais, 94, 95, plutôt 94, et, euh... et voilà, et c'est un trip total. Et je m'amuse comme... comme un petit fou, ça a pas beaucoup d'intérêt à part... à part ça. Euh... Mais voilà, il y, un... y a un aspect nostalgie au truc. Euh... J'ai un j'ai Amiga, les amis, qui tourne en 1280 par 800. À l'époque, j'aurais tué pour ça, parce qu'à l'époque ça tournait sur ma télé. C'était du euh, vaguement 320 par euh, 200. Et si je faisais du double scan lines à machin, c'était 320 par 400. c'était dégueulasse. Enfin, c'était vraiment horrible. Et du coup, bah, ça servait beaucoup à jouer, en fait. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que euh, en ce moment, euh, je fais des trucs pas super intéressants pour, pour la communauté. Mais qui euh, moi me font bien bien triper. Voilà. Euh, maintenant que j'ai bien raconté n'importe quoi pendant 11 minutes. Euh, J'espère que j'ai pas fait fuir tout le monde. Euh, je vous propose. Ah, il y a des mondes qui ont réagi hein. euh, Perso, j'ai toujours été plus fan de que qu'Afterstep. Oui, mais Winemaker n'existait pas à cette époque là. En fait, le, le... là je te parle de 1995. Et en l'occurrence, euh, je pense que Winemaker n'existait pas. C'était euh, Afterstep le premier à avoir fait ce genre d'interface. Enfin, Au-delà au de, de Next Step évidemment. Euh... Tac tac tac. Euh... Donc ouais, tout le monde, tout le monde a priori à son, euh, son RPI euh, dans, une, euh, dans une cave ou dans un placard. Donc moi ça y est, je vais trouver, je vais trouver une. J'ai même acheté un, j'ai acheté un... un petit boîtier et tout super beau, un petit ventilateur que j'ai branché sur le 3 sur le 3V parce que sinon ça fait du bruit. Voilà. Euh... Alors une prédiction. Oh, Faléon qui subscribe la direct euh, 3 mois. Bouah. Boum. Faléon, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère être, euh, être digne euh, de, de, de vos subs. Euh, vous savez un truc C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Je prépare et tout. Et euh, avec euh, bon bah, toute l'énergie possible. Et puis euh, en essayant de me dire voilà, là, là je vais leur dire ça et tout machin. Et tout est super clair. Guillaume001 qui vient de ce sub, qui vient de ce sub aussi. Là. Putain bah merci beaucoup. Merci Guillaume. Mais en plus euh, je pense pas t'avoir déjà vu. Euh... Guillaume001. On se connaît ou... En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup. Euh... Et donc, ouais, je prépare. Et, et tout est super clair. Quand je suis là, bah, tiens, on va faire ça. Non, non, non. Et il se passe un truc. Quand, quand, quand je démarre le live, j'ai l'impression d'avoir le main une Black devant moi qui fait... Et c'est comme j'oublie tout. Ok et... Du coup, je galère un peu. Merde, c'était quoi déjà je voulais leur dire c est, c est le... Je connaissais pas ce, 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 ce feeling-là. C'est un peu le, euh, le feeling du direct. Là. Tiens, attends, je vais regarder les questions. Je vais voir s'il y a déjà des questions. Ah, l'architecture. Alors, Sofiane, en fait, euh, l'architecture de l'Amiga, c'était du 68 000. Euh, quand tu vois, euh, tu sais, sous, sous Open, sous Free, euh, free, free 68 000, je suis pas sûr. Euh, sous Open ou Net, net c'est sûr. Il euh, y a 68K. Bah 68K, c'est euh, c'est du euh, c'est du 68000, euh, c'est du Motorola, voilà. Et c'était euh, très classe. Ah Guillaume midi, je, re je regarde les rediffs sur YouTube en attendant de suivre le live. Ah excellent, excellent, excellent. Ah bah c'est fort ça. Ça, ça me fait triper ça. Franchement, ouais Mega Drive aussi, c'était euh, 68K. Vous savez, euh, là on enfin on est euh, on est dans Linux, dans la sécu, dans euh, dépassement de mémoire et tout, mais euh, moi je suis ouvert sur, sur les sujets. Hein. Si un jour vous voulez qu'on qu qu cause euh, je sais pas, portabilité, CPU, euh, émulation, moi je suis super open. Hein. Comme je vous dis la dernière fois, je, je, veux, je veux aussi euh, euh, faire des, euh, des sessions euh, euh, blockchain. Donc je ne l'ai pas fait cette, cette semaine, je n'ai pas eu le temps. Mais, euh, mais on va le faire. Oui, BSD, bah oui bah, <laughs> forcément. Mais ça c'est déjà, euh, déjà prévu au programme des sessions BSD, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ce qu'on a fait pour la Slack 3, on va le faire pour. En fait, alors ce qu'on a fait pour la Slack 3, démarrer une Slackware de zéro, on va le faire avec NetBSD. From scratch. Voilà. Avec tout. Tout pareil. Euh, plus question Non, c'est bon. Ok. Alors, on va me mettre en tout petit. Voilà. Euh, je vais juste m'assurer. Enfin, je vais Setup Firefox. Parce que comme à chaque live, Firefox est enlevé d'OBS, je ne sais pas pourquoi. Voilà, boum. Ok, Voilà. Attends, je vérifie juste que... Hop, c'est bon. Vous n'avez pas vu le, le spoiler. Alors, donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait Alors On a fait un truc très, très, très simple. Mais en même temps, euh, c'était... Absolument nécessaire pour comprendre déjà ce que c'est qu'un fork, et puis pouvoir avoir toute petite notion de C pour la suite des événements. Je voudrais refaire un passage rapide là-dessus pour les personnes dans l'Assemblée qui n'ont pas de bonne notion de C. Il y a Stromo qui me demande qu'est-ce qu'on fait comme prédiction. Euh, là, aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, c'est à peu près certain qu'on qu nique le canari. Donc, la prédiction, c'est est-ce que tu sais rentrer en boîte même s'il y a un canari C'est ça le truc. Hein. C'est qu'à un moment donné, en fait, on, on connaît le videur. Et comme on condamne le leader, on fait... Non mais attends, parce ce que je connais euh, quelqu'un à l'intérieur Il fait... Ah ouais, ok, d'accord. Non, j'ai pas mis la chemise. Parce qu'en fait, ça va pas marché. Tu vois euh, En fait, je me suis mis en mode, tu vois, style avec euh, les trucs. J'ai mis des bracelets et tout. Genre, ouais, moi, moi, je rentre, je suis stylé, je danse et tout. D'accord <laughs> J'ai une bouteille à l'intérieur, exactement. J'ai acheté une bouteille, moi, tu me laisses rentrer. Euh, donc... Je vais revenir un petit peu. Sur le C, si vous êtes d'accord, et euh, si, vous, si vous voulez ajouter des choses, si vous voulez euh, clarifier des choses euh, pour les personnes du, qui, sont sur le, qui sont sur le live et qui sont pas à l'aise avec le C, etc. Parce que Hardware euh, tu dis moi, mais, mais je suis certain que tu pas le seul. Genre à la fin, le C, euh, euh, bah on n'est pas censé en faire tous les quatre matins, ou, ou si, quand on. Quand, quand, quand on on développe des trucs, etc. Mais euh, mais c'est pas euh, c'est pas c'est pas une techno de facto quoi. Euh, c'est pas forcément simple. Euh, surtout que euh, voilà, c'est que c'est quand même assez proche. Il y a moi aussi le CG des trois métiers ou c'est que faut euh, DX Bon en fait bon voilà euh, le le moi ce que ce que j'essaie de ce que j'essaie de, de transcrire là euh, c'est de rendre le C le plus Simple possible. Okay euh, vous savez, depuis le début, parce que là, vous dites, euh, ouais, le C, ça m'a traumatisé, machin. Eh, hey, les gars, euh, je, vous je vous rappelle qu'il y, y a trois semaines, on faisait de l'assembleur. Hein, et, et vous étiez tous, vous étiez tous euh, euh, globalement, euh, plutôt, plutôt au fait. Et je vous le dis, l'assembleur est quand même immensément plus, euh, je dirais, complexe à appréhender. Je le c simplement parce que bah, l'assembleur on est, on est on est vraiment on est en train de causer au cpu quoi on a quand même on a quand même écrit des shellcodes ensemble hein et puis euh, alors d'un côté d'un côté c'est plus simple d'un côté c'est plus compliqué euh, c'est plus compliqué parce qu'on est très proche de la machine c'est plus simple parce qu'on fait des opérations très atomiques très très basiques en fait en fait tu obtiens tu peux écrire ça dans tel registre et ça dans tel registre mais vous vous rappelez quand quand on désassemble des trucs on se met dans GDB, qu'on fait 10 as, telle fonction machin, ça nous pisse de l'assembleur. À la fin, tout ça, tout ça, c'est des trucs qui vont être euh, transformés euh, en assembleur, comme, comme ce qu'on a fait depuis le début. Hein. Rappelez-vous, euh, comment il s'appelle déjà ce, ce bout de code là C'est pas Michel écrit par hasard Non, ça c'est. Bah oui, non, ça c'était. Euh, non. Euh, c'était. Michel Cole peut-être Non, c'était pas Michel Cole. Putain, je sais même plus. Hein. On a tellement. Il y en a un où on appelait euh, Raed, je crois. Non Michel Vulne mais raison euh, Non, 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 Michel Vulne c'était euh, un code c'est vulnérable. Putain, je m'en rappelle plus là. Hein. On est attends, tu sais quoi rien. Je, vais faire le, je vais faire le 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 gros vilain. Hein. Oups, 0x80. 0x80. Bon, allez, vas-y. Mais oui, ben, point C, bien joué. Euh, Michel Jump. Ah, Michel Simple Exec. pas ça ben Non, Michel écrit avec, euh, avec Exit. Attends, je sais plus, on en a tellement fait là que je vous avoue. Euh... Non, c'était pas ça. Michel Cole, c'est peut-être Michel Cole. Non, bah je sais plus. Il y en a un où on faisait un call, euh, où on faisait un call à la Ben, le call à la lipsée c'est la même chose que ça. Hein. Ici, là, c'est comme si on a SM. Ah oui, euh, coucou les toutous. Bah ouais, je sais, ouais. Je sais pas, ils ont un ils ont une espèce de sixième sens. Euh, c'est bon, il a commencé son live, on va pouvoir commencer à se friter. Ça ah, va, ils se sont calmés là. Euh, donc ça là, par exemple, c'est littéralement un call euh, à la et qui va appeler Printf. On peut, euh, si vous voulez, on peut euh, vite tough, hein, en oh, je dump. Euh, moins d pour debug de, comment il s'appelle déjà Michel Cui. Je fais less hein, parce que vous savez que euh, L'IPC met un peu de bordel. Donc je vais aller sur main. Main, dont on sait tous que c'est le point d'entrée des programmes. Euh, voilà. Alors donc, tac, tac, tac. Bon, là, il se passe des trucs. Tiens, voilà. Cool. Printf. <laughs> je peux plus, là, je peux plus, là. Je peux plus mentir. Hein. Là maintenant, euh, vous êtes tous au courant. D'ailleurs, attends, je, je, je vous montre quand même. Ah oui, il est là. Évidemment qu'il est là. Eh oui, eh oui. Là maintenant, je peux, plus, je peux, je m'en sors plus moi. <laughs> donc bref, je vous montre. Donc attends, où est-ce qu'on est, qu est euh, Michel Cui, allez, hop. Donc Michel Cui, qu'est-ce que ça fait euh, Donc on a, on, on a en fait, ce c'est pas l'entry point mais c'est la fonction qui va être appelée par la LIP C, la première fonction qui va être appelée par la LIP C. Euh, il se trouve que le fonctionnement standard euh, de la quand tu appelles euh, la fonction main, c'est d'avoir euh, des arguments. Okay euh, un argument euh, qui est le... Enfin, un int qui est le nombre de, de, de paramètres qu'il va y avoir et un argument qui est euh, bah, les, le... le euh, les, chaînes, les, caractères, enfin les chaînes, de caractères que tu, vas, que tu peux potentiellement passer euh, au programme. Donc ça, on l'a vu la dernière fois, on va pas revenir dessus. Et, euh, et ça, enfin, bah, je veux dire, c'est pas, honnêtement, hein, c'est pas Rocket Science. Enfin, hein, euh, si en a, euh, est-ce que, est -ce que ceux qui sont, euh, qui sont, un peu trop traumatisés par le C, vous avez fait, euh, vous d'autres langages, en Python, euh, euh, Go, Perl, euh, peu importe, euh, Ruby, euh, je en fous, enfin, peu fous. Un, un autre langage. Parce que je pense, je pense qu'il y, euh, qu y a une, notion de, de... légende quoi. T as fait du python, ben voilà. Il, il faut, je pense que le C fait peur parce que c'est le C. Alors qu'en fait, c'est pas compliqué. En fait, c'est même hyper simple. Le C, euh, c'est un langage dans lequel tu, tu décris tout et dans lequel euh, bah, tu es obligé de tout tester. Bah tiens tu roules Pascal. Bah voilà, bah très bien. Bah ouais mais voilà 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 voilà. Donc de, de, tu vois, enfin, vous vous avez déjà vous avez déjà le background. Et en fait je viens ça là, ce bout de code là, c'est quand même c'est rien. Le seul truc un peu un peu un peu touchy là, c'est ça. Ok Parce que euh, on, on 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 appelle un truc qui est implicite euh, que je vais je vais revenir dessus là, euh, qui en fait 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 euh, un appel en assembleur, et il se trouve que quand on appelle une fonction en C, mais ce serait la même chose dans n'importe quel autre langage, le comportement par défaut du CPU, c'est de mettre la valeur de retour dans le registre EAX. Donc j'ai pas, pas de return ici, mais en fait le return il est pratiquement implicite. D'accord Ouais mais ça c'est... Euh Enfin, donc Ardouardas qui dit j'avais 4 sur 20 en Turbo Pascal, ça m'a dégoûté de la prog. Mais moi, je te, moi je, te, je, je te propose de démarrer la programmation en C euh, petit à petit. Et j'avais proposé, alors vous ceux, ceux que ça intéresse, euh, levez la main là. Mais j'ai proposé en fait euh, de faire euh, une session, ou peut-être deux ou trois, je sais pas, on verra. Euh, de d'initiation à la programmation au C. Vraiment euh, brut de fonderie. Et euh, voilà, on, on démarre, on fait des... Euh, donc là, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail maintenant, mais du coup, si, si vous êtes plusieurs à, à, à vouloir, moi, ça me chauffe, euh, on, on, et on fait des petits programmes, euh, et on apprend à utiliser le C euh, comme, euh, comme n'importe quoi, comme n'importe quel autre langage. Ok, donc il y a du monde que ça intéresse. Donc euh, bah, je propose, je sais pas, peut-être euh, peut mercredi prochain soir, au lieu de, au lieu de continuer euh, euh, la partie euh, CQ, on fait, on, fait un petit peu de, on fait un petit peu de C. Hein, et puis on rentre un petit peu dans le détail de comment tout ça marche. Ok. Bon, dans ce cas-là, je vais pas perdre trop de temps là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois Donc on avait, on, en fait, la dernière fois, on avait, on, on avait compris quelque chose euh, d'assez troublant. En fait, ce programme, on l'a compilé. Et nous nous sommes aperçus que lorsqu'on forque un processus, le processus fils a le même canari. Donc vous vous rappelez, un canari, je remets rapidement, canari. Non, c'est pas ça. Où est-ce qu'il est mon canari Il est là. Un canari, c'est une valeur qu'on met sur la stack pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de dépassement. Parce que s'il y a eu un dépassement, le canari va être écrasé et donc on sait qu'il y a eu euh, une modification de la stack. D'accord Or, non, c'est pas ça du tout. Arrête. Hop, hop, hop. Voilà. Or, on comprend ici. Donc, le canary est dans le registre euh, GS à l'offset 14, on le déplace dans EAX, et en fait, on a fait une petite fonction là, euh, QI, qui, qui, qui affiche le canary. Et en fait, on se rend compte que dans le processus pair et dans le processus fils, donc le processus fils est repéré ici parce qu'il que PID, donc la valeur de retour de fork vaut 0, euh, et bien ça a la même valeur. AF94 machin. La dernière fois, on a vu que un canari se finit par 0,0, sauf chez Arpenteur, on va, on va y revenir, euh, se finit en 0,0 pour éviter euh, d'utiliser euh, des fonctions de, 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 de faire de, de l'écrasement de stack en utilisant des fonctions de type euh, string quelque chose. Puisqu'il y a un 0,0 et que 0,0 signifie la fin, euh, fin d'un string ok donc qu'est ce qu'on on a vu ça on a vu que euh, un processus forqué avait le même canary que le processus pair Comment on peut tirer profit de ça alors juste euh, j'ai préparé une petite page là, euh, que, que j'ai trouvé qui est pas mal bah c'est une page de en fait c'est du code source du kernel euh, pour vous montrer que fork vous savez, on dit tout le temps, euh, ouais, fork euh, c'est une copie de processus, c'est co la copie du processus, et puis quand on a les quand, euh, fork c'est comme c'est la copie du processus, machin. On va juste montrer de façon absolument éclatante que c'est effectivement la copie du processus. Donc là, c'est pareil, hein, j ai, j ai, je, je focus moi sur, euh, sur les vieux kernels pour une raison très simple c'est que le code est beaucoup plus lisible. Les choses aujourd'hui sont un peu plus complexes. En termes de, de code source, mais le concept est le même. D'accord Et là, en fait, c'est le do fork des carnets 1.2.13, le fameux qu'on utilise depuis maintenant quelques mois. Et euh, bah vous voyez que, donc, bon, bah, on, on trouve, euh, en gros, on trouve de la place euh, en, en mémoire, cest on va, on va demander littéralement euh, des pages, on, on reviendra dessus à un moment donné, euh, donc à Monique. Hein, à Monique et, euh, et euh, voilà on crée une nouvelle stack etc on, on, essaie, on trouve un numéro de process et puis eh ben on copie tout un tas de valeurs et notamment on copie euh, le processus précédent dans cette dans ce nouveau, dans ce nouvel espace d'adressage d'accord c'est vraiment de la copie quand on dit que fork c'est une copie de processus, c'est absolument comme ça que ça se passe. On, on copie, c'est du C là qui, qui copie des trucs. Et bah, qui met en place euh, euh, plein de valeurs pour dire bah, quel est le PID, euh, quel est, euh, euh, quelles sont les valeurs du processus, machin, etc. Euh, mais à la fin, on copie littéralement le processus et puis on retourne son PID. D'accord Donc je reviens à notre petit bout de code. Et donc ici. Bah, J'ai fait appel à l'appel système fork, parce que c'est un appel système, et je m'aperçois que mon fils a le même canari que mon père. Et ça, c'est moche. Pourquoi c'est moche Pourquoi c'est moche Là, on est euh, dans un petit code de rien euh, qui. Attends. Et donc, si on laissait le code sortir de la fonction qui fait le fork, si le canary changeait l'un des deux process planterait en déclenchant la sécurité. J'ai pas compris le si le canari changeait. Attends, je relis ta phrase. Donc, si on laissait le code sortir de la fonction. Il fait le fork. Non, mais le canari ne change jamais. Hein. Au sein du même processus, le canari ne change jamais. Là, là. Euh, que je forque je une ou mille fois. Ah, t'expliques pourquoi il ne peut pas changer. D'accord, ok. Non, je vérifie quand même euh, s'il n'y a pas de questions. Peut-être un sondage sur Twitter pour que les absents. absents sinon... Ah oui, ouais, ouais, ouais. Une... ouais je, je, ferai le, je ferai le sondage sur Twitter sur, sur euh, euh, la session euh, sur le langage C. Donc, qu'est-ce qu'on qu peut faire avec ça Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette, cette information Avec le fait que dans un fork. Mon canari est le même que dans le père. Il y a un type de programme où on fork régulièrement et où potentiellement on peut trouver des failles de sécurité. Ce type de programme, bah, c'est par exemple des serveurs TCP. Des non, pas vraiment... Pas, non, OpenSS, OpenSSL, ce ne serait pas, euh, serait pas le, bon, le bon exemple pour ça. Il euh, y a eu, et il y a probablement encore, des serveurs TCP qui forquent. Et lorsqu'ils forquent, et ben potentiellement, ils vont appeler une fonction qui, elle, euh, a un problème a un problème de sécurité. D'accord. Ce que je vous propose, c'est, alors je vais, pas, je vais pas écrire euh, littéralement. Euh, je vais, euh, on, on, va, on va, recopier parce que, alors, autant, euh, autant, il y a des trucs que je fais euh, à la mano euh, que, enfin, voilà, que, que, on fait from scratch, etc. Autant euh, un, un, un serveur TCP, c'est particulièrement chiant. Parce que c'est du euh, euh, c'est du euh, mumble jumble euh, qu'on qu'on qu répète et qu'on copie-colle en permanence. Donc là le code que je vais utiliser. Alors bougez pas que je retrouve. Le code que je vais utiliser... Hop, je vais le mettre sur le chat et je le mettrai sur YouTube où j'y pense. Euh, là. Donc ça, c'est le code duquel je me suis inspiré. Parce que euh, je, enfin, je... Écrire... Désolé. Euh, euh, écrire en euh, serveur TCP From Scratch. Je vais fermer la porte. Euh, c'est quelque chose... Non, c'est bon, c'est bon. Euh, c'est quelque chose qui est particulièrement pénible euh, parce que je bah, joue tout le temps des trucs. Euh, bon. Maintenant, c'est... Le code est quasiment tout le temps le même. Il euh, y a toujours les mêmes fonctions parce que c'est toujours le même fonctionnement donc je vais vous le je vais vous le faire ici mais ça va être globalement du cut paste ah, du copy paste euh, donc je vais l'appeler comme euh, dans le truc que j'ai spoilé sur twitter euh, simple tcp tcp.c c. hop alors ça va être du c ça va pas être du c euh... Ah, tu l'avais utilisé, bah ben voilà. Okay. Ben non, il, est, il, arrive, euh, il arrive assez haut dans, 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 les, re dans les recherches quand, 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 vous, quand vous cherchez euh, euh, C, TCP, serveur, machin. Il y a des choses qui sont perfectibles. Euh, je vais y revenir. Mais voilà, globalement, il fait, euh, il fait, il fait son taf. Euh, et vous allez voir que euh, c'est parfaitement euh, euh, utile pour nous. Alors. Je vais. Euh, Est-ce que je le fais comme ça Ouais. Allons-y. Alors, bon. Euh, les includes habituels pour faire un serveur TCP. On, 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 va, euh, on va écrire des choses. Euh, on va utiliser malloc. Ne ah, bougez pas. Donc voilà. Non. On va faire ici, là. On va écrire des choses, on va utiliser malloc, on va utiliser. Eh, hey, salut Sonic Boom! Ça va, t'as rien raté encore! Euh. Attends, est-ce que je peux. Oui, voilà ça. Donc, les includes habituels dans ce genre de situation. Hop, hein. Ah ouais, mais c'est parce que je suis pas dans un TMUX là. Enfin, si je suis dans un TMUX, mais pas le bon. Ça va marcher ou pas? Ah, mais je suis en caps lock en plus. Je fais n'importe quoi là aujourd'hui. Et j'ai pas encore bu, hein. c'est ça le pire. Alors, hein. voyons voir. Voilà. Donc. Prenez ça. est-ce que ça marche Ah ouais, cool Ah, ça marche dans Témux à l'autre Non, non, j'ai pas encore pris de café. Euh... Franchement, enfin. Euh, les, les Includes là, si vous avez vu euh, les, les, les lives précédents. Euh... Je, je les connais pas par cœur c'est euh, en gros je mets les fonctions je ah merde j'ai oublié d'include. include <laughs> c'est pas c'est comme ça hein. euh, ah ouais euh, euh, get so cooked, faut faut include machin bon, c'est comme ça ok je, moi je peut-être qu'il y a des gens super balèzes ouais comme les imports il y a des gens super balèzes qui connaissent ça par cœur et tout euh, moi voilà j'y vais euh, je compile et puis ah ouais j'ai oublié ça ah bah tiens j'ai oublié ça et tout. donc voilà j'y vais vraiment euh, j'y vais vraiment comme ça parce qu'à la fin, c'est pas ça qui est important. Euh... Et je vois Ataxia qui dit sur sur Twitter que elle elle, elle, elle s'amuse avec moi en fond sonore. Ça c'est cool. Et tu sais que tu m'as fait péter une tu m'as fait péter une pile hein, sur sur ton tweet de tout à l'heure. J'ai commencé à me vénérer sur mon ancienne unité et tout. Et c'est pas fini. Hein. Je, je l'ai là là dans un dans un dans un onglet là. Je vais pas, je vais les finir tout à l'heure. Alors Boom donc là je vais copy paste comme un gros sagouin euh, ce que j'ai fait euh, un peu plus tôt alors boom boom voilà alors qu'est ce que ça fait je vais j'y vais euh, j'y vais petit à petit ok comme ça euh, j'ai dit config au lieu de compile ouais, je vais peut-être dire des bêtises là hein. euh, donc qu'est ce que ça fait J'y vais petit à petit, comme ça, comme ça vous, vous comprenez. Donc là, je déclare les sockets qu'on va utiliser tout à l'heure. Tout ça là, c'est les structures de données dont on a besoin pour interagir avec du TCPIP. Okay vous inquiétez pas avec ça. Franchement, vous prenez même pas la tête avec tout ça. Je, en particulier, je parle aux gens qui n'ont pas l'habitude du C. Ça, on franchement, on s'en fout. C'est de la. C'est du sucre. Okay Il se trouve que pour interagir avec euh, une socket euh, TCP, une socket de façon générale, on a besoin de déclarer tout ce merdier là. Voilà, c'est tout. tout. Euh, là, c'est moi qui fais euh, le petit cracra, je ne fais pas, de, je fais pas de, de test ni rien, mais en gros, euh, je vais déclarer le port qu'on va utiliser dans le paramètre numéro 1. Okay Arc -V, vous vous rappelez, argv, c'est les paramètres qu'on passe, enfin les, les, les chaînes de caractères, les pointeurs vers les chaînes de caractères. Euh, et arcv de 1 bah, ça va être euh, le premier paramètre que je veux passer euh, au programme donc euh, arcv de 0 c'est euh, le nom du programme arcv de 1 ça va être euh, le, euh, le port donc par exemple si je vais faire .slash simple tcp 3939 bon bah euh, là atoui ça, con ça convertit, franchement il n'y a rien de compliqué hein. atoui ça convertit un un, un un string en integer voilà, boom, voilà, ascii to integer voilà et puis il se trouve que je déclare une variable myport que je vais utiliser après euh, tac tac, évidemment, je vais afficher l'adresse du canari parce que c'est ça qui nous intéresse dans cette petite histoire. Ah, vous allez voir, ça va être rigolo. Vous allez voir, ça va être rigolo. Donc, tac, donc, hop, je me fais une petite fonction. Donc, rappel des rappels euh, des épisodes précédents, c'est une petite fonction en assembleur de rien du tout. Qui déplace le contenu du registre GS à l'offset 14. Et là, pareil, hein, je ne l'ai pas sorti d'un chapeau. C'est comme ça. Le, le, dans, dans le registre GS à l'offset 14, le noyau met une valeur random. Cette valeur random, c'est le canari qui est utilisé pour vérifier qu'on n'est pas en train d'essayer de péter la stack. C'est tout. C'est tout. Euh, et on met ça dans le registre EAX, qui est le registre. C'est une définition, comme on l'a vu la dernière fois, qui est le registre qui est utilisé pour les valeurs de retour. Donc ma fonction getCanary, elle va copier le canary de la fonction, de, de, du programme dans le registre EAX, et du coup, je vais l'afficher ici. D'accord C'est ce qu'on a fait la dernière fois. Hein. Donc ok. Ensuite, on continue avec le mumbo jumbo TCP. Alors comme je vous l'ai dit, hein, c'est du massive cut-paste euh, dans un, un, un code qui est... Somme toute relativement correcte. Donc là, je vais copier un gros bout d'un coup. Paniquez pas. Tac, voilà. Paniquez pas, paniquez pas. Euh, attends, tiens, toi tu vas venir par là. Puis alors, des fois il me des, euh, des met des tables, des fois il met des espaces. C'est fabuleux. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait Eh ben on crée une socket. On déclare tout un tas de valeurs dont on a besoin pour causer, enfin pour utiliser cette socket en mode TCP avec le port qu'on a choisi. Donc ici euh, AF_INET, c'est une adresse IPv4. Ici, c'est euh, on convertit euh, le port euh, pour qu'il soit euh, euh, au format qu'attend euh, cette structure de données. Euh, ici. Euh, bah c'est l'adresse euh, qu'on qu va, qu va utiliser et puis on met tout ça à zéro pour pas avoir euh, de caca dans la structure. OK On bind notre, fameux, notre fameuse socket. Je vous explique ce que c'est que ça. En fait j'ai oublié de le mettre. Deux secondes. En fait, ça c'est une petite euh, euh, comment dire. Hein c'est une... C'est une petite... Euh, Fixette que j'ai. Euh, alors il y en a qui vont pas du tout être d'accord avec ce que je dis et tout, mais moi j'aime le code aligné sur 80 colonnes. C'est comme ça. Ok, je, je, c'est comme ça. J'ai été habitué comme ça, et c'est vrai c'est peut-être un truc de vieux con et tout, mais je trouve que du code sur 80 colonnes bah, ça se lit mieux. Hein, ça évite d'avoir des trucs infinis là, avec des if imbriqués et tout machin. Donc moi j'aime bien. Donc du coup, ce que j'ai fait, parce que comme euh, struct cadrer, ce bah, c'est hyper long, euh, bah, du coup, ça fait dépasser euh, certaines lignes, non celle là Donc euh, j'ai simplement fait un define dies define. C'est le processeur qui va s'en occuper. Ça remplace dies define. Hein. Dies define, c'est ce que ça fait en C. Ça fait un sed. Voilà. Alors, c'est pas un sed. Ça appelle pas sed, évidemment. Mais dies define. Ça remplace la première valeur par la seconde valeur. Ni plus ni moins. En fait, je pense qu'il y, y a vraiment une notion de euh, expliquer très simplement ce que font les choses. Et, tout de suite, il faut partir d'un truc hyper compliqué. Non, c'est très simple. Préprocesseur. Ah, je dis processeur. Désolé. Oui, c'est préprocesseur. Merci, Yastrom. Euh, oui, non, c'est le préprocesseur. Ah, le processeur n'a rien à voir là-dedans. Hein. C'est le préprocesseur. Ok? Euh, donc, le préprocesseur, lorsqu'on compile un truc hein, GCC, euh, donc GPP en l'occurrence, c'est le préprocesseur, il va remplacer la première valeur par la seconde. Okay donc, plutôt que ici, vous voyez ce que je fais là ou pas Attends, Parce que j'ai dû euh, changer mon focus, voilà. Euh, ici, plutôt que d'écrire euh, struct socaddr, je fais sa. Voilà, okay Et derrière, le préprocesseur va s'occuper de remplacer SA par truc voilà c'est tout c'est simple ça va pour l'instant vous êtes tous barrés ou ça va non parce que euh, là je suis, en, je suis en mode roue libre là. on est bon là je sais que c'est pas euh, code paste de code c'est pas passionnant parce qu'en plus je suis pas en train de, de, de l'expliquer dans les détails et tout mais parce que je vous le dis c'est chiant enfin c'est rien de plus qu'un enfin voilà c'est un, un code de serveur TCP quoi, voilà euh, ah oui, alors attends, parce que là j'utilise backlog, en fait c'est, euh, je trouvais ça pas mal dans, dans ce dans ce code là, euh, c'est euh, combien de connexions la, la queue peut, peut traiter, et moi d'habitude je le fais pas, et euh, mais je trouvais ça pas mal, donc je vais, je vais l'ajouter aussi, hop, voilà, et là on listen, le fameux listen, hein, bah, le listen il a, est là, c'est du C, et ça va listen sur le port, qu'on a déclaré. Et maintenant, les vrais trucs intéressants. C'est maintenant que, ça, maintenant que ça, ça commence. Après 46 minutes, c'est là qu'on fait un truc intéressant. Donc là, je lisonne. Et une fois que je listen, je vais pouvoir faire quelque chose. Voilà. En l'occurrence, on listen. Et ce qu'on veut, c'est bah, accepter euh, une connexion lorsqu'elle se présente. D'accord Suivez bien. La connexion se présente. Ok En NC, euh, Telnet, euh, ce que vous voulez. Sur le port... J'ai noté cette question pour qu'il me l'envoie là. Fais voir, c'est quoi la question Ah j'ai... Merde, j'ai raté la question. Euh, du coup, là... Oh putain, il faut... Ok, je, ré je réponds juste après euh, Sonic Boom. Euh, donc là, en fait, je fais une boucle infinie. Donc... Pour les réfractaires OC. Fort, point-virgule, point-virgule, c'est la même chose que ça. While 1. Ces deux trucs-là sont strictement équivalents. Ok Mais bon. J'aime bien ça, c'est plus stylé. Euh, et puis euh, surtout euh, euh, en Go, en fait, on utilise plutôt Fort. Alors voilà, je me suis mis à mettre juste fort quand enfin, je dis ça et juste derrière j'ai un while. Donc... donc en fait ici, c'est une boucle infinie. Il n'y a pas de condition initiale, il n'y a pas de condition d'arrêt et il n'y a pas de condition d'itération. Enfin il n'y a pas d'itération. D'accord Ça c'est une boucle infinie. Ça ne terminera jamais. D'accord En fait euh, clairement euh, ce return ne sera jamais euh, accédé. Non, c'est pas que le while s'écraquera. Mais euh, j'ai fini par comprendre que euh, euh, Fort c'était plus puriste entre guillemets. D'accord Non, ce pas, pas plus performant. Non, pas du tout. Non, euh, non, non, de, si vous voulez, on fera un petit, euh, euh, on fera un petit. Pas là parce que sinon, euh, sinon je vais encore me faire engueuler parce qu'on va pas, on va pas faire ce qu'on a dit qu'on faisait. Euh, mais euh, si, vous, si vous, voulez, on fera un petit euh, désassemblage de Fort euh, versus euh, versus Wild. Mais bon, c'est pas très important là, honnêtement. Si vous voulez, je mets un while, hein, c'est pas. Là, dites-vous juste, c'est une boucle infinie. Bon, donc, là en fait, on est dans le main loop, d'accord Et lorsque il y a un client qui arrive, on l'accepte. Qu'est-ce qu'on fait Donc, on l'accepte. Lorsqu'on accepte, on crée un nouveau descripteur de fichiers et on fork. Ok, on va faire des trucs avec ce nouveau descripteur de fichiers. D'accord Donc là, on va littéralement forquer. Hein. Tiens d'ailleurs, il est pas... Enfin, c'est crade. Il y a des trucs avec des... Ouais, j'aime pas, j'aime pas quand c'est pas... Euh... Enfin, mon queue de peste, il a, il a, pas pris les, euh... il a pas pris les tabs et du coup, euh, c'est pas beau. Bref, c'est pas grave. Donc, là, je vais forquer. Je vais faire un nouveau processus. Et dans ce nouveau processus, je vais appeler une fonction que je n'ai pas encore écrite qui s'appelle do stuff. Okay une fois que do stuff est réalisé, je close la, so la socket qu'on a créée pour l'occasion et j'exit le processus. D'accord Si vous voulez, on reviendra sur le, sur le code en tant que tel, mais comme ce n'est pas ça que je vais vous montrer là, euh, je, passe, je passe un peu vite parce que ce n'est pas de ce côté-là que ça va être intéressant. Donc, je vais. écrire une fonction, plutôt euh, copier comme un gros sagouin une fonction. Voilà. s'appelle stuff, que j'ai écrit tout à l'heure. Dans laquelle, alors on se concentre. Je déclare un tableau de 32 caractères. Je déclare un pointeur, mais ça c'est juste pour notre petite euh, pour notre petite tambouille, euh, pour voir ce qui se passe dans le registre BP. Et je le déclare pour qu'il soit euh, pour qu'il utilise un registre et non pas la stack, si possible. Je vais lire sur ce fameux file descriptor qui nous est passé ici, ok, dans le file descriptor qui correspond au client qui est en train de nous parler, d'accord. Je récupère la valeur de ebp. Euh, ah oui, merde, non, j'ai pas, pas copié la fonction. Hop, alors oui il est getEBP, il est là. A à votre, à votre avis c'est quoi euh, la fonction getEBP Qu'est-ce qu'il y a dedans A votre avis C'est bidon. Je, je veux récupérer le contenu du registre BP. Le contenu. Et je vous ai tous couché là, c'est fini. Là. En fait vous êtes, vous êtes tous... vous faites la sieste Faites la sieste et vous avez laissé le stream ouvert. Pas mal, Léa. C'est presque ça, Léa. En fait, si je fais move EAX, BP, je vais copier l'adresse de BP dans EAX. Mais moi, je veux le contenu de BP. Exactement. Bravo, Léa. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je, je copie dans EAX le contenu de EBP. D'accord C'est exactement ça. Bien joué. Parce que bah, je veux voir euh, le bordel qu'on est en train de faire. D'accord Alors attends, est-ce que j'ai tout là euh, Parce que là, j'ai un peu copié. Euh... J'ai un peu copié comme un vilain. Est-ce que j'ai tout Alors. Ah Donc là, on a une fonction qui retourne un canari. Enfin, le canari. Une fonction qui retourne BP la fonction get stuff, euh, do stuff qui va euh, lire notre, euh, notre interaction. Le main. Accept. Bon. Ok. On va voir ce que ça donne. Alors là, je vais compiler. Avec. Déjà, je vais rester en 32 bits. Vous vous rappelez la dernière fois, euh, je, vous ai, je vous ai montré que le canari... En 32 bits finalement c'était pas beaucoup de valeur donc pour brute forcer c'est beaucoup plus simple si on build en 64 bits là tout de suite c'est plus la même. D'accord? Donc je, je build en 32 bits. Ensuite, il euh, y a plusieurs paramètres que je dois mettre pour, pour rendre le truc euh, parce que bon malgré tout euh, euh, on, on est quand même dans des conditions favorables à poutrer le soft, hein, euh, soyons clairs. Hein, euh, c'est encore euh, c'est encore assez euh, c'est encore assez old school ce que je fais. Je veux que mon code assembleur soit au format Intel parce que euh, juste parce que je, je préfère et que je le lis mieux. Je ne veux pas de d'adresse relative. Ça je dois encore en parler, hein. je dois encore faire un numéro là-dessus. Et de la même façon, je ne veux pas l'exécutable final utilise des adresses relatives mais plutôt des adresses absolues avec des adresses concrètes, adresses euh, lisibles. Voilà, euh, je veux des symboles de parce qu'on pourra peut-être rigoler avec ça tout à l'heure. Et puis ça va s'appeler simple... Non, simple tc tcp et c'est simple simple.tcp.c. Tiens, il manque un truc. Euh, qu'est-ce que j'ai fait Il me manque. Tiens, voilà, est-ce que je vous ai dit tout à l'heure Moi, les les les, euh, les includes, je les connais pas. Alors, attends, attends. Attends, je reviens, je reviens, je reviens. Hein. Je, je, je build le truc et je reviens. Donc, qu'est-ce qui me manque WaitPid. WaitPid, il est dans. Il est dans 6Wait. Ah, c'est bon, parce que je l'avais. Ah, ouais, j'ai oublié de le mettre en fait. Attends, il est là Ah, ouais, 6Wait. Ouais, désolé. Bon, attends, on y va. Euh, SimpleTCP.C. Et c'est... Hop. Wait. Voilà. Ok. Alors attendez là, laissez-moi relire. J'ai une question depuis le dernier épisode, je la pose maintenant, mais ça peut attendre la fin de l'épisode pour y répondre. Si ça se trouve... J'aurai mon explication d'ici là. Que nous apporte le fork pour casser le canari? Euh, bah tu vas en fait tu vas le savoir. Tu vas, tu vas le comprendre maintenant. Euh, c'est parce que ça permet oui exactement il y a ce trou tu, vas voir, tu vas voir. donc j'ai mon attends on va, on va splitter l'écran en deux si ça va être assez lisible on va plutôt le faire comme ça ouais j'ai mon serveur TCP que je vais faire tourner sur le port euh, 4040 donc rappelle que dans le code, on fait afficher le canari. Donc la valeur random qui s'assure qu'on n'est pas en train d'éclater la stack. Et ce canari vaut 7f09cc00. D'accord bon. On va tester. Euh, on va faire... Euh, je ne sais pas moins... Euh, euh, test. Bon, on va commencer avec des A. Pipe NC. Localhost. Qui sont dit 40. 4040 Tout va bien. On a reçu... A, -A, -A, a, EBP vaut ça. Très bien. Mais alors... Nous... Comme on est des gens... Euh, très, euh, euh, on prend des manières, on est, on est, on fait attention. Et quand on rentre dans un magasin de porcelaine, on y rentre avec des chaussures euh, Louis Vuitton et on est, euh, on est extrêmement élégant et on fait pas du tout des gros trucs de bourrin, d'accord Salut, Rolling Phoenix, t'arrives au bon moment. Donc je propose de se connecter sur le port 4040 <laughs> avec... Attends. Ah. avec une élégance on est bienveillant on est élégant et on regarde quand on quand on rentre dans un magasin on fait ça très bien euh... alors c'est là que ça devient intéressant Regardez bien ce qui vient de se passer, mesdames messieurs, votre attention, parce que c'est là, c'est là que ça commence à devenir cool. Donc, c'est là que ça, de... 58 minutes, c'est là que ça commence à devenir cool. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a balancé 100 A sur le serveur qu'on a codé tout à l'heure, mais si vous avez fait gaffe, ouais ben non, si vous avez fait gaffe. Mon serveur il est codé avec les pieds parce que ici je read dans B qui fait 32 caractères mais je read buff Size qui vaut 1024 hein, buffsize c'est un, un include enfin c'est un define par défaut euh, qu'on trouve dans les include Linux je sais plus où Ah non ça fait 512 tiens ah, c'est marrant je pensais que ça faisait 1024 Ah euh, tiens bah là Ah ouais non non ok attends attends Ah ouais non non attends c'est wine Non 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 moi je veux euh... c'est le bordel Ah puis il y a des fois il vaut 2048 euh, Je sais plus, plus où il est défini par défaut En tout cas ça vaut au moins 512 Alors est-ce qu'on a moyen Côté client de savoir si le process a forqué et planté. Ouais, parce que tu as tu, tu te fais euh, tu te fais closer en fait. En réalité, là, quand j'ai fait ça, j'ai même pas eu, euh, je me suis fait euh, closer comme un mal propre. Alors là, en fait, euh, ça, ici, ça n'a même pas eu le temps de segfault. Ça exit direct. Sinon, euh, hormis qu'il a close la socket, non. On ne pas savoir. Alors, par contre, là, c'est intéressant. Parce que on voit qu'avec 100 fois A, on a tenté euh, une stack overflow. Non, non, c'est pas le parent, c'est le fils. Hein. Regarde, mais non, mais regarde, regarde. Le, parent, le, le, le père est toujours là. Hein. Regarde. Moi là, si je fais euh, si je fais ça. Regarde, 32. Tout va bien. C'est là où euh, c'est intéressant le fork. C'est que quand un, quand un processus fork et qui se viande comme une taribourée, c'est pas grave. Parce que le père est toujours là. Ce qui serait pas du tout la même chose avec un thread. Et oui, alors je vais pas faire un cours euh, fork versus thread maintenant, mais si notre. Euh, notre. Tu euh, veux que je remonte le code C, ok. Attends, bouge pas. Euh... On dans ce cas-là, on va faire ça. Je suis où là Ouais. On va faire une autre. Tac. Et on va 4. Comment c'était C'était simple. On va laisse plutôt. Voilà. Ce qui est intéressant, Donc ce qui est intéressant en fait, c'est là. Tu vois, boum. Boucle infinie. Je fork, Ici, je suis dans un autre processus. D'accord Ici, j'ai mon environnement à part entière. Et il se trouve que j'exécute ça. Ah Flat minimis, tu regardais en 360. Je, je diffuse mieux en 720. Hein. C'est bon, Léa Alors, Attends, je reviens ici. Voilà. Ok. Donc, là, il se passe des trucs intéressants. Parce que, comme vous voyez, je peux faire cracher un processus forqué. Mon serveur va être toujours là. Donc, là, je pense que je vais répondre à la question de John et à la, à la question de Sonic Boom. C'est que l'intérêt du fork là, c'est que je vais pouvoir faire tourner mon truc pendant des milliers et des dizaines de milliers et des centaines de milliers d'occurrences, de, 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 de toute façon mon serveur va toujours être up. Donc je vais pouvoir tenter plein de choses. Et en l'occurrence, là vous voyez qu'à 32, tout se passe bien. Mais à 33, bon, 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 moussaillon, qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que ça veut dire ça quest que là ce que je viens de faire, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à 32, j'ai pas écrasé le Canari. D'accord Mais à 33, j'ai plus la bonne valeur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le Canari, il est juste derrière le, la chaîne de caractère à 32 là. Exactement. Mais ça, c'est pas mal, ça. Donc là, on est d'accord que quoi que ce soit que je mette derrière les 32 caractères. Je sais pas, euh, 0x81. Euh, 82. Stax Machine Detected. Alors là, je cheat un peu, parce que j'affiche le canari. Mais là, vous comprenez qu'avec un, avec un, un, un truc qui brute force, ça serait trivial d'arriver à cette, à cette valeur-là, puisqu'en plus, regardez, on n'a on a que 3 octets à, à, à brute forcer, donc c'est rien ça. Donc j'ai mon, mon canari qui est là. Alors je me suis fait un petit, euh, un petit helper là, parce que j'en ai marre de, de, de faire euh, backslash x, backslash x. Donc, je vous montre. J'ai fait un petit truc qui s'appelle euh, BE pour Begin to euh, SC toucher le code. Donc ça fait ça et en fait il y a BE tout que c'est un truc qui un truc que j'avais déjà fait. En fait, peu, donc j'inverse la chaîne. Donc, par exemple ça c'est le canari. Je l'inverse avec euh, le, le, la fonction euh, Shell euh, rêve. et ensuite j'utilise DD avec euh, ça, ConvegaSwap, qui qui swap euh, deux à deux les valeurs. Du coup grâce à ça bah, je peux faire euh, B, E, T, -O S, C de ce truc là, et hop là! J'ai? Non, non, bah non, bah, rien du tout la regex, bah, on fera un. Pareil, <laughs> je suis en train de oh, faire des... des lives sur la regex, des lives sur le C, des lives par des lives pour tout le monde! Euh, voilà, donc c'est pratique, ça permet d'éviter de, de. Parce que vous voyez, hein, j'aurais pu aussi faire backslash 00, backslash CC, backslash machin. Alors maintenant, regardez bien. Donc là, j'ai mon canari au format euh, little Indian. Hein. Vous vous rappelez que c'est comme ça qu'on doit passer euh, les valeurs. Non, franchement, live sur, on parie AstroMo que je fais un live sur Regex, mais qu'à la fin vous savez comment ça fonctionne, euh, nickel. Vous allez voir. Alors, j'ai mon canari, d'accord. Et hey, Minzord subscribe with Prime. Putain, merci beaucoup Minzord. Sérieux. Franchement, c'est ça, euh, ça qui rocks en fait. Est, je fais des trucs, et puis je vois que les gens ils comprennent et tout. C'est vraiment. Euh, non, non, c'est pas atroce les reggae. je vous jure. Les, les, les regex, c'est magique. Euh, ok, donc j'ai mon canari. Maintenant. Donc là, on est d'accord que quoi que ce soit que je mette. Hein, regardez ici en haut là. Hein, quoi que ce soit que je mette derrière mes 32 caractères. Vraiment... Dégage. Maintenant, imaginons que ici, à la place de n'importe quoi, je mette le canari. C'est vrai que je stresse à chaque fois quand, quand, quand je fais des trucs comme ça, vu que ça foire lamentablement. Donc là, normalement, j'ai mon canari. Mon canari, c'est euh, 7F09CC00. Hum, mmh. je recommence. Oh, 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 mais dis donc, on dirait que je n'ai pas stack smashé. On dirait que j'ai mis une valeur tout à fait normale. Hum, mmh. intéressant, intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe là si je fais, euh, par exemple, derrière? Ah, euh, fois... 8. Il ne se passe rien de spécial. Mais en même temps, je me fais toujours pas... Euh... Exact... On connaît le videur. Voilà. Exactement. Alors, fois 8, se passe rien. x 10. Ah! Oh! oh Il <laughs> y a e B B qui fait comme ça. Mais, Mais D'où viennent ces 41 Attends, attends. Et donc, du coup, si je fais A x 12. Hop là Qui s'est carré qu écrit EBP C'est moi Mais alors, attendez. Euh, attends, attends, attends. Vous avez pas pigé Attends, 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 attends. Là. Je veux être sûr que tout le monde a pigé. Non, mais ouais, attention, là, justement, justement. En fait, 32. Je reprends, regardez, hein. 32, c'est la taille de ma chaîne de caractère. Et euh, comme je fais le vilain, j'envoie plus de 32. Et puis de toute façon, ça passe parce que je, je, je read buff size. Mais du coup, je suis en train de réécrire tout ce merdier. Et puis là, je suis en train de, 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 de passer B. Voilà. Et il se trouve que. Le canari est juste derrière. Et du coup, comme il est juste derrière, et que je connais sa valeur. Donc là, il se trouve, je, je cheat parce que je l'affiche. Mais on, vous comprenez qu'il est extrêmement facile d'avoir euh, un bout de code qui va faire un loop de 00 euh, à FFFF FF, euh, pour essayer toutes les, toutes les combinaisons possibles. D'accord c'est exactement passer au-dessus du chien de garde sans le réveiller. Et alors attendez, parce que là, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, si j'arrive à écraser EBP, j'arrive probablement à écraser EIP. On est d'accord EIP qui est le pointeur vers, vers, vers la prochaine instruction exécutée. Alors je vous propose un truc. On va faire deux choses. On va... Tiens, j'avais déjà un truc. Hop, voilà. On va ajouter... Vous vous rappelez euh, du tout premier Buffer Overflow, de la toute première exécution de fonction euh, euh, illégale qu'on a fait euh, On va faire pareil. Je vais, je vais faire une fonction qui s'appelle Hidden. Et euh, on va la faire printé, st2r, 1, 1, bou, parce qu'on est en octobre et que c'est euh, spooky month, euh, tac, 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 ok, donc on est d'accord que cette fonction n'est appelée absolument nulle part, ok, on rebuild, Et là, je veux voir quelle est l'adresse de notre fonction idone. Elle est à l'adresse 08, machin chose, truc bidule. On est d'accord Vous me voyez venir là ou pas donc je vais convertir ça. BE2C de ce truc là. Et là on va lancer GDB. GDB. Simple TCP. Oui mais Sofiane c'est normal que tu me vois venir. Toi as un, as un esprit pervers. <laughs> euh, et alors attends, là, là... Ce qu'on veut faire dans GDB, c'est un truc... En, en, en fait, il y, euh, y a une petite fonction... Euh, pas une fonction, mais une, euh, un paramètre. Je veux... Follow fork mode child. D'accord Je veux suivre euh, ce que va faire le fils. D'accord Et là, je vais run. Sur le port 41-41, parce que tout à l'heure, parce que probablement que la socket n'est pas encore libérée. Donc là, j'ai un canary, tiens, rigolo. Hop. Alors. Ah merde, non, attends, je ne devrais pas faire ça. Non, attends. Attends. On va. On va le run. Mais attends, on va faire un breakpoint sur. Eden. Est-ce qu'on est. En score. Ouais. Vous voyez là 0804 96 76 0804 93 76 Vous avez pigé là ou pas Ceux qui ont suivi euh, les épisodes sur Elf, on a regardé l'adresse de la fonction dans les symboles. Et il se trouve que bah, c'est l'adresse à laquelle on va trouver euh, la fonction hidden. D'accord Et bon l'instant, je mets juste un breakpoint dessus. Hein. J'ai rien fait de mal. Hein. Monsieur l'agent, <laughs> j'ai juste, juste mis un breakpoint sur une fonction euh, que je sais pas si je vais. J'ai aucune raison d'y aller d'ailleurs. Donc je fais rien de mal. D'accord Donc je run. Hop Quoi, quoi Ah ouais Vas-y, 42-41. Voilà. Alors, on y va. Donc là, j'ai un, euh, un nouveau canari. Hein. Forcément, j'ai un nouveau processus. Donc, euh, B2SC. Donc, je rappelle, hein, pour ceux qui euh, arrivent en cours de route, B2SC, c'est une petite fonction euh, shell bidon euh, que j'ai écrite qui euh, transforme une adresse hexadécimale en, entre guillemets, shellcode. En tout cas, euh, euh, version, euh, euh, version string. Quoi. Donc voilà, j'ai mon j'ai mon, euh, mon canari. Donc je vais utiliser mon canari. Voilà. Je sais que mon canari est attendu à 32 caractères euh, au-dessus euh, de la déclaration de la chaîne de caractères. Je sais qu'avec 12 caractères suivants, j'écrase EBP. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a après EBP Vous savez ce qu'il y a après EBP Après EBP, il y a EIP. Exactement, Sonic Boom. Et EIP, qu'est-ce qu'il fait EIP, c'est le pointeur vers la prochaine instruction. Donc, si je prends. L'adresse de Hidden et que je la mets derrière l'écrasement de EBP, qu'est-ce que je peux trouver ah c'est pareil, je stresse encore. Donc attends. 32, mon canari, c6, machin. 12, on est d'accord, on, on tout à l'heure on a vu que c'était 12, hein, à 12 on l'écrasait. Hein. Ouais. Et après 12, je mets l'adresse de la fonction cachée. On y va. J'ai envie de vous dire. Boum, c'est Regardez ça. Où qu'on est Où qu'on est Mais qu'est-ce que... Mais enfin mais ça veut un canari Mon canari, il, il était là, il faisait, il faisait son boulot de canari Et là, boum Il y a plus de canari Oh, mais ça c'est pas possible, ça On peut plus faire confiance à personne <laughs> Sortez de chez moi, monsieur Ouais, c'est exactement ça Tant, mais on peut plus faire confiance à personne Tiens, quand même on est là, on a, quand même, on se fait chier là avec euh, du, du code là qui vient du kernel, qui met, euh, qui met des, des, des trucs random et tout, pour être sûr qu'on fait pas de la merde. Et là, paf, avec une ligne de peur, on va exécuter des fonctions pas autorisées. C'est moche pour le vider, ah oui le vider il est pas, je pense qu'il est viré là. Voilà, tu ne à rien. <laughs> Il suffit qu'on... regarde par là-bas Ah oh ouais, c'est quoi Hop, et voilà. Voilà. Bon bah je pense que je pense que c'est clair. Je pense que c'est à peu près clair. Alors, euh... là ici, euh, on, on a un peu triché. <laughs> bah ben non là c'est bon. Là, hey, hey, Léa, euh, j'ai hey, j'ai deliver, j'ai Là, euh, on, a... on triche un peu parce que j'affiche l'adresse du canari euh, dans le serveur. Maintenant, euh, sincèrement, faire un... faire une petite boucle, qui teste euh, toutes les adresses de 0 à euh, ffff. Euh, avant, de trouver, avant de tomber sur le canari c'est bidon hein. alors Sonic boom du coup un programme qui ne tisse pas de fork on est obligé de brut forcer son canari ouais alors c'est également possible c'est beaucoup plus relou euh, parce que bon, bah, forcément euh, là plus on euh, plus euh, là on est dans on, là on est dans des conditions favorables d'accord là on est dans, dans des conditions favorables en le sens où euh, euh, on est, on, on a compilé en moins nos payeux, euh, euh, moins F nos Enfin voilà, on n'est on même pas dans des adresses relatives et tout. C'est assez relou. Enfin, c'est assez. Euh, c'est assez. Entre guillemets, facile. Néanmoins. Néanmoins. Ces méthodes-là. Ça commence à ressembler à des trucs un peu plus modernes. Ok C'est déjà. Euh, on est déjà dans quelque chose de beaucoup moins euh, trivial et, euh, et bourrin euh, que ce qu'on a fait au tout début pour euh, passer route sur les vieilles Slackware. D'accord Et effectivement, il y a ce trop euh, niveau log, c'est un peu violent parce que bah, tu es, es là, as, tu fais des, 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 des dizaines de milliers de queries euh, par, par seconde. Euh, et oui, tu, je veux dire, s'il y, si y a un IDS ou, euh, ou un truc un peu. Euh, un peu malin en tête de réseau, euh, oui, tu risques de te faire griller en moins de deux. Alors je vais, je vais regarder les questions. Oh, putain, j'ai répondu à tout Alors attends. Euh... ADCI dose. Donc après, tu fais exécuter ce, ce qui est en mémoire là où tu veux Oui. Alors là où tu veux. Attention, non. Euh, là où tu veux, au sein du processus. D'accord C'est pas, euh, pas la teuf. Hein. Tu peux pas aller exécuter euh, un truc, euh, un binaire quelque part. Par contre. Par contre, encore une fois, à condition d'être dans des conditions favorables, tu pourrais potentiellement pousser un shellcode et aller faire pointer, du coup, EIP vers un truc sympa. D'accord Une autre une zone mémoire qui serait exécutable euh, et qui te permettrait euh, bah, de faire un exec, par exemple, de shell ou ce genre de choses. Voilà. Eh hey Franchement, 1h20. Ça va Ça va Et en plus, j'ai répondu à toutes les questions. Ah non, faléon Avec les crochets, ça copie le contenu, mais pas la reste, exactement. Ouais, exactement, Faléon. En fait, quand tu fais move, quand tu fais... Bon voilà, du coup, c'est bon. Quand tu fais move. Non. Move, ex. Attends, je mets rx. EAX euh, ESP, tu vas copier l'adresse de ESP. Si tu fais move EAX prochain ESP, tu vas, tu vas copier le contenu de SP. validée. Nice Nice Attends, attends, fais voir. Peut-on rentrer en boîte malgré le canari Eh oui Eh oui On peut absolument rentrer en boîte malgré le canari. C'était euh, la promesse. Et voilà, on peut. Euh, bon, voilà. Eh ben je suis assez content parce que euh, on, on a déroulé euh, un truc assez sympa. Euh, qui n'est pas, pas, pas trivial, trivial. Euh, quand même, parce qu'on a, on, on a quand même bidouillé des trucs euh, euh, assez sympas. Et qui sont vraiment. Enfin, c'est. C'est euh, la conclusion, enfin la conclusion non, parce qu'on a encore plein de choses à voir, mais euh, c'est vraiment le déroulé de euh, plein plein d'épisodes. Donc je, ceux, ceux qui n'ont pas vu les, les épisodes précédents, euh, ça fait chier parce qu'il y, 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 y a quand même beaucoup de, y a beaucoup de trucs implicites euh, qu'on a vus euh, sur, sur les derniers, je sais pas, peut-être les dix derniers épisodes. Euh, on a vraiment commencé à, 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 à faire les vilains euh, vers l'épisode 9-10. Donc euh, bah, je vous invite à, à aller regarder ça. Euh, et bon bah c'est pas fini. Hein. Alors par contre, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit sondage sur Twitter euh, pour savoir si mercredi soir, on fait un épisode initiation OC. Euh, c ce serait intéressant d'avoir la présence de gens qui sont. Disons euh, plutôt avancés. Juste pour. Euh, avoir des, euh, des témoins quoi euh, que je dis pas de la merde que euh, tu vois par exemple reverse bah, j'avais pas la définition exacte euh, euh, à fournir euh, donc euh, bah, ça serait pas mal mais en tout cas je vais poser la question si ça intéresse assez de monde on va le faire on va faire du petit code euh, pratique on va déclarer des tableaux euh, on va jouer avec les pointeurs ce genre de truc vraiment pour être à l'aise euh, et puis, euh, on pourrait peut-être faire ça en fait, plutôt, plutôt que l'épisode plutôt que sur, la, sur la crypto, faire euh, un épisode euh, euh, un peu hardcore comme ça, là, ce qu'on vient de faire, euh, et puis un épisode un peu plus light sur euh, les regex, sur euh, euh, le C, sur les pointeurs, sur des trucs un peu plus euh, un peu plus légers, mais euh, qui sont qui sont importants. Voilà. Tous. Euh, merci encore beaucoup pour votre présent. vous avez été super comme d'hab euh, on on m'a proposé parce que bon donc je comme vous le savez euh, je bosse plus depuis un certain temps euh, je suis en congé sabbatique depuis euh, donc euh, juin puis là bah, ça commence à piquer un petit peu euh, en termes de en termes de sous donc euh, c'est vrai que j'ai jamais pensé à le faire mais euh, je suis euh, open sur des missions euh, euh, de tout type je vous donne mon le, le site de ma le site de ma structure parce que je suis freelance euh, c'est indalit.com et euh, dessus je vous mets sur indalit.com, je vous mets sur le chat euh, C'est ma structure et il euh, y a en gros euh, les, euh, les sujets sur lesquels euh, je suis en mesure d'intervenir. Donc si vous avez des petites missions sympas, euh, pensez à moi, je suis open en ce moment. De la même façon, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, euh, je vous serais éternellement reconnaissant de cliquer sur les likes, sur les subscribes. Il me manque encore à peu près la moitié de subscribers pour commencer à monétiser ça. Euh, à commenter etc, etc. partager les vidéos n'hésitez euh, pas à venir me causer sur Twitter comme vous le faites déjà ce euh, sera avec euh, grand plaisir et puis euh, ah tiens attends il y a Ilocuier qui, qui pose une question euh, c'est combien le bum de version du canon dans le premier shellcode et maintenant avec le canary euh, alors en fait les premiers shellcodes je les ai fait fonctionner avec du kernel 1213. Euh, sans aucune protection. Mais je pense qu'avec les mêmes flags, ça devrait fonctionner avec un kernel récent. Néanmoins, là, on est en 5. Point... je ne sais pas combien. Attends, fais voir. 5.40. Mais euh, La... La particularité c'est pas le c'est pas le, le, le la version de kernel en fait. La, la particularité c'est les flags avec les, lesquels sont compilés euh, le programme. Hein, le fait qu'il soit compilé en 32 bits, euh, qu'il soit pas position independent, euh, donc que j'utilise des, des adresses absolues et non relatives. Bref, c'est c'est pas tant lié euh, au kernel que la façon dont j'ai buildé les exécutables. Voilà. Mesdames Messieurs comme d'hab, c'était un plaisir. Merci à tous. Bien qui fait là, c'était bon, c'était cool. Euh, bon week-end à vous. Des gros bisous et on se voit bientôt.